À seulement 56 ans, elle ne pouvait plus marcher à cause de tant de douleurs d'articulation, des os, de genoux. Le jour, la nuit, elle en souffrait. Voici donc ce qui a mis un terme à ces douleurs atroces. Bienvenue sur votre chaîne de santé et de remettre au naturel, maîtresse chat. Pensez à partager ce contenu pour que ça aide un maximum de personnes. Cette recette puissante va vous rendre comme un taureau. Que vous ayez mal, que vous ayez des problèmes, ça va aider à lever vos défenses, à nettoyer vos poumons, à vous débarrasser de la grippe, à supprimer tous les virus, même ceux qui sont peu connus. Les avantages et les résultats de ce puissant mélange qui nettoie les poumons et qui vous aide contre la mauvaise circulation sanguine, contre les maux de tête, contre les mal de dos, le mal de genou, est très simple à préparer. Pour cela, vous aurez besoin d'une simple banane. La banane est reconnue pour sa haute teneur en antioxydants. Ça aide à protéger le corps contre les maladies et rien que pour ça, aussi pour sa grande teneur en fémol, en flavonoïdes, c'est précieux pour la prévention des cancers, des inflammations du corps et surtout, ça peut aider à perdre du poids. Dites-moi si vous consommez de la banane et en quelle quantité vous consommez et surtout, comment est-ce qu'on appelle ceci dans votre pays? Notre deuxième ingrédient va être l'oignon. J'en ai énormément parlé des bienfaits de l'oignon dans mes précédentes vidéos, que ce soit pour le corps, pour la santé, parce que ça favorise les contrôles de la santé cardiaque, de la tension artérielle, ça favorise la santé du cerveau, ça prévient les cancers, ça prévient l'anémie et même ça traite des problèmes de système respiratoire. Ça va aussi permettre de stimuler votre système immunologique et nous allons donc incorporer le tout dans 200 ml d'eau. Vous aurez besoin d'un demi-oignon rouge ou même d'un demi-oignon violet, d'une grosse banane. Mixez les deux ingrédients jusqu'à ce que vous obteniez une substance comme celle-ci, d'accord? Et je vous assure, il est préférable de prendre ce smoothie à jeun ou même tard le soir avant le dîner. Pour ceux qui ont des problèmes gastriques, je vous déconseille de le consommer le soir avant d'aller au lit. La combinaison de ces deux super aliments vont améliorer votre santé avec sécurité, assainir vos organes. Cependant, beaucoup de gens peuvent être incompatibles, c'est-à-dire avoir des effets secondaires à la consommation de ce jus d'oignon et de banane. Vous pouvez donc ressentir des nausées. Vous pourrez aussi l'utiliser pour perdre du poids. Dans ce cas, je vous déconseillerais de rajouter du sucre ou même du miel. Sauf si vous avez du miel pur d'abeille que vous pouvez rajouter dedans dans votre smoothie. Je tiens aussi à préciser qu'il est très important de modérer la consommation de ceci si vous souffrez de problèmes gastriques, comme je vous ai dit. Diminuez la dose. Prenez ceci une seule fois par semaine. Boire ce jus de façon correcte peut améliorer vraiment de façon très considérable votre santé. Donc faites-le, faites attention à votre état pour optimiser les résultats de cette préparation. Et juste pour un petit récapitulatif, comme je l'ai dit, ce smoothie, c'est un bon protecteur pour le corps puisqu'il améliore et renforce le système immunitaire. Grâce à ses antioxydants, à ses anti-inflammatoires, ça prévient les infections, les dommages aux radicaux libres et voilà, bien plus encore. Je vous dis donc à très bientôt. Bisous, bisous.